Merci beaucoup, Papa Sango. Oui, Yego Salanga Koseka, tant on a lundi, Ndekonanga Gotensei, commenter tout ce que nous avions vu lors des activités de la francophonie. Alors, pour que nous comme appelé dans Mozindo, Yamotuna Nayo, nous avons balayé d'abord. Hein? Makambo, en temps normal, et Kokota Namoto Congolais. Et puis, j'ai compris que beaucoup de gens qui soutiennent notre artiste que nous aimons beaucoup, Fait Richard Dépoule, nous avons bien travaillé affectueusement. Beaucoup de gens ont aidé Fait. Beaucoup de gens ont la peau à faire à Kendeli Bosoté. Beaucoup de gens ont la peau à faire à perfectionner musique. Beaucoup de gens ont la peau à faire à atteindre le diapason. Il y a un rival entre guillemets, Fally Poupaté. Encore que lorsqu'ils prennent le risque de comparer Fally et Ferré du point de vue artistique, je considère ça comme un crime culturel, comme une insulte sur la méritocratie et l'excellence culturelle. Je reviens avec le fait. Et je pense que Yomoro Papa Sango, au Santa qui quand même beaucoup de contradictions dans Maloba Ndeko. Mais, et le Liboso, Ndeko Lobi, tous les artistes au Baprestaki, Kobanana Ouverture, Kinonasuka, et Zalaki sur base, il y a choix, il y a structure. Et proxy, il y a Ndeko Jésus, Jésus Noël. Non, mais ça, c'est faux. Ce qui est pas moi, nous sommes là, qui choisit l'entreprise Owana, mais sauf Fally. Parce que Fally a été choisi par Vivendi, qui n'a rien à voir avec vos histoires locales depuis 2022. ou nationales. Et le contrat avec Vivendi a été réalisé depuis 2022. Même si vous avez dit Vivendi, quand même, mais ça, mon gars, grande structure et organisé, un grand événement, monsieur. Vous nous racontez quoi? Et puis, Nayo qui est sur le plateau, on veut rendre exceptionnel le fait que Ferragina a blendé. Oh non, et Salamana a noté la musique congolaise. Les aïe historiques. Les aïe historiques, oui, effectivement. Ce qui peut faire Ferragina a brouette, et n'est-ce pas la liboso, musicien, et à Congo, il y en a brouette, et n'est-ce pas la historique. C'est-à-dire, vous voulez donner à l'actif de Ferré, des événements en réalité, oh yo, ils ont boosté, était pour Kendeli Bosso sur le plan artistique. Sur le musicien là, Tioji, aïe na blende, aïe na pousse, aïe na brouette, aïe na vélo. En quoi ça ajoute ou ça impacte en termes de notoriété artistique et à musicien? Parlons bien, parlons vrai. Alors bien, on a aucune décolobie, Ferré d'ailleurs, bah greffa qui est, n'a pas activité wana. Parce que ce n'était pas prévu que Ferré a livré prestation naïe. Et que c'était le public qui a À réclamé. l'objet que le comité l'a fait pour satisfaire, au fait, les La désidratés, pression. il y a mélomane, il y a Ferré. Mais moi, je me demande, les mélomanes de Ferré étaient mécontents de quoi? Hein, parlons bien, parlons vrai. Du fait qu'il fallait Ils étaient déçus. devrait jouer Ils deux étaient déçus de fois. quoi? Donc, Bango Bazaki déçu parce que Fally Mouta Jouaki, alors il faudrait à tout prix pas bête sa faire. Encore une fois, les gens comprennent mieux que le contrat qui a été tissé entre Ferré et le comité national du 9e jet de la francophonie, ça a été un contrat de pitié, un contrat de compassion, un contrat de caprice. Pour moi, un abisso mboka, allez la tête, s'il vous plaît. En lieu de place, topé sa shawarma, topé sa dama pas foutu. Ferabet atteint le podium, il y a une école maternelle na stade. Encore que lorsque un artiste international veut prester sur n'importe quel podium, l'artiste vient en amont, en aval pour voir le podium sur lequel il va prester. Est-ce que Ferra a mona ki libaya ou bachela ki ewana? Eh ben, ki obeta, a matalikola libaya ou na? Non, mais pourquoi vous voulez réduire notre fait Richard Dépoule jusqu'à ce point? Et puis autre chose. Alors, bien, non, Barbara, à ça qui s'est mis live. Et je comprends que mon frère n'a peut-être pas la maîtrise sur événements, surtout en termes de cérémonies, de portée internationale. Fallait à inviter, bah, finir les S'il vous boutons. plaît, Papa Bah, finir les boutons. Il y a cassette. Barbara Et puis, bah, a il y a fait disque. Barbara, non. Bah, il y a flash disque. Non, mais ouais, les anango, Allez-y. ça, c'est le commun de mortel. Allez-y, allez-y. Ouais, les anango, bateau. C'est comme ça qu'on est tout éclairé, bateau. Allez-y, allez-y. Barbara, le jour de l'ouverture, cette femme a fait un playback. Cette chanson, cette chanson-là est chantée comme ça. Là, on peut nous-mêmes comme Ndakisa. Oui, bien, on m'a dit, Nini, ya ma benga na salie.
C'est-à-dire c'est un vocal posé sur l'instrumental, mais enregistré dans un studio. C'est-à-dire que ce que Jiba Salagi, même vocal ouana, n'a ouvert la francophonie, les gens croiraient que Jiba Salagi a cappella posé sur l'instrumental. Ce qui n'a pas été le cas. Et en plus, dans toutes les cérémonies du monde, et puis de quoi mon cérémonie, soit il y a mondial, soit il y a CAF, une grande cérémonie à mon abadouassa live, en pleine cérémonie. Maître Gims, on a à Qatar, à Sahagi live. Fallait aller à Cameroun, à Sahagi live. Essayez ça, mon mondial, mon ouverture à mondial, mon artiste, on la live, en plein stade. Ça n'existe jamais. Parce que, dans de telles cérémonies, effectivement, on vient juste embellir la dimension. Événementiel avec la connotation artistique et pour ça on n'a pas besoin d'un événement instrument et etc. Bah y'a quand on a quoi embellir y'a un monde de salabala etc. Et puis négolobi mon embellé à l'obi bon et puis d'ailleurs même y'a un moment même mon gars bah contradiction là en même temps l'obi qui fait Razaki qui prévu de à livrer concert na on a martyr et en même temps y'a mon soir l'obi que c'était prévu que ferait Abeta na ouverture yango ba ko ba méloman ba sepe la guité. Pourtant. Pourtant. Mais yango ko relé ba ko ba méloman na été. Voilà ko ba na yom de sur le plateau. Mais selon le méloman. Comment faire qui savait que c'était prévu Abeta na jour ya ouverture alors que yemo ko faire depuis la nuit de temps. Faire nous a toujours dit qu'Abeta soit les 4 ou soit les 6. Ferré a annoncé deux dates qui n'avaient rien à voir avec l'ouverture. Mais on parle de quoi? Même dans ma méloman, on va à Kolanda Bisso, tout ça là quand même rationnel dans l'analyse. N'a qu'un élément moussoussou. Parce que très souvent, on compare Fally Ipupa et Ferré, c'est vrai, le deux, Bazab artiste musicien. Tout comme peut-être comparer Chancel Mbemba et Léo Messi par le fait que le deux, Bazab joueur. Mais je pense que il y a une certaine différence. Il y a une certaine notoriété. Fally a atteint un autre niveau. Et puis que papa ça on a c'est là qui n'est au moment le bagage au début de l'émission. On va Nzambe a visitera un groupe T. Toujours un individu. Dans chaque pays, dans l'histoire de chaque pays, Nzambe a tiaka likabo na moto moko ba considérer comme un précurseur pour na kotalisa na nzela. Et aujourd'hui, sur le plan musical, Tondi Make, Lelo et Zaton y'a Fally Ipupa. Comme ça a été le temps de Weranson à l'époque. Comme ça a été le temps de Wendo Kolonsoy. Comme ça a été le temps de Lombo Makiadi. Parce que aujourd'hui, c'est vrai, bah, on ne se passe pas musicien congolais. Mais il y a une très grande différence par rapport, il y a vision, par rapport, il y a politique artistique, et puis par rapport, il y a adaptabilité par rapport aux exigences de nouvelles technologies de l'information. Parce qu'aujourd'hui, la musique n'est pas seulement le fait de chanter. Parce que j'entends souvent, ben, on va leur faire une bonne voix. À quoi sert une bonne voix sur Yembarana Kikoso? N'est-ce pas que le rêve d'un artiste, et Zagaya Yemba, pour que Mukili, Mukili Yemba, encore que dans un spectacle, le plus grand plaisir d'un artiste, c'est d'avoir à Tchenzembo, Badoubazong ici. Ce qui n'était pas le cas. Est-ce que Ferré a des tubes? Non, mais ce qui n'a pas été le cas avec Ferré. Ferré n'a pas de tubes populaires. Ferré n'a pas de chanson d'intégration. Ferré n'a pas de chanson d'intégration. Ferré n'a pas de chanson camerounais. Ferré n'a pas de chanson malien. Pendant que son ami, depuis 2006, Fally a présenté à la face du monde sa vision artistique. Et de 2006, Kino Lolo 2023, nous avons tous vu le progrès de Fally Kobanda. Début de carrière, na Kino Lolo. Fally a présenté sa vision déjà, il y a Moto Azoli Marocaine vers la musique urbaine. Parce que très souvent les gens disent, Fally a coquille Marumba, encore que Lelo, son album Rumba Formule 7, c'est le meilleur album Rumba qui cartonne plus que tous les locaux. Avec la chanson Bibi. Plus que tous les locaux qui jouent Rumba sur le marché musical congolais. Qui sont locaux, qui sont non, mais le Ferré est locaux, héritier est locaux, JB est locaux, Ouera est locaux. Des locaux, musique dans le marché local, dans le marché congolais. Alors que Fally vend sa musique au-delà de l'espace congolais, au-delà de l'espace africain. Regardez la vision de l'artiste. Au début, pendant que Fally disait à ses amis, tout ça là-bas collaboration, tout ça là-bas featuring, j'ai entendu ma vidéo et ça, tout ça là-bas témoin. Faire à l'oba, quand on a aussi la collaboration, t'es aussi la featuring, t'es. Pour le fait déjà d'avoir un musicien, il y a des featuring. Malheureusement, plus tard,
Ferré a fait des collaborations comme son ami. Il a suivi Fally. Ferré a les cannes émissions. Il a reproché, il a reproché Fally le fait de chanter en français et en anglais. Il a traité Fally de complexé. Quelques années plus tard, Ferré essaye de chanter en français, bien qu'avec beaucoup de couac. L'anglais, n'en parlons même pas parce qu'il n'a pas encore atteint ce niveau-là. Encore une fois, Ferré ne comprend pas que Lelo, dans la musique, il faut qu'on atteindre ma dimension nios. Lelo, ce qu'on a dit même politique d'intégration, il y a musique, il y a Fally. En dehors, il y a espace national. Fally, pour conquérir l'espace africain, il a utilisé une stratégie, notamment la stratégie des collaborations. Fally a collaboré avec toutes les grandes stars de l'Afrique pour intégrer tous les États africains. Fally a collaboré avec Flavor. Il a collaboré avec Diamond. Fally a collaboré avec Charlotte Dipanda, Angelico Kidje. Fally a collaboré avec Youssou N'Dour. Fally a collaboré pratiquement avec toutes les stars, Toufan et tout le reste là. Tout le jeune star, encore que Oebina Côte d'Ivoire, mon gars, grande valeur en termes d'icône artistique à l'époque, le jeune DJ Arafat, c'était pratiquement un petit frère de Fally. Et aujourd'hui, dans le marché ivoirien, les Ivoiriens ont adopté Fally. Pourquoi? Parce que en faisant le collaboration avec les artistes africains, et ça a permis aux peuples africains de découvrir la particularité de la musique de Fally. Ce qui n'est et pas le peuple, cas. Le peuple africain l'ont adopté. La deuxième dimension. Fally est allé à la recherche de conquérir le marché français. Et il a utilisé la même stratégie. C'est même ça la vision artistique d'un artiste qui voit loin. Pour conquérir le marché français, il a pratiquement fait des collaborations avec toutes les grandes stars qui cartonnent dans la musique française aujourd'hui. Fally a fait de feat avec Matt Kopora, Lincha, Aya Nakamura, Nino, K-Black, Naza, Dadju, Youssoufa, Booba, Taïk, Bamsito, SDMM, Franz Klisch, Shai, MDH, Damso, Singila et tout le reste. Et aujourd'hui, conséquence réelle, après que l'espace européen, plus particulièrement l'espace français, ait consommé la musique des Fally, aujourd'hui on parle d'un disque d'or certifié. Fally est le seul musicien. Voilà ma ramoué photo betara en termes de l'exclusivité. Toi, va te faire ça, seul musicien, y'a qui n'a poussou, toi, y'a qui n'a brouette, toi, y'a qui n'a blindé. Toi, va te faire ça, le seul musicien qui a vendu autant. Fally a vendu plus de 50 000 exemplaires. C'est... dans le marché français. Alors, mais... il a obtenu un disque d'or certifié. Merci pour les éclairs. Bah,